Parfois, avoir des idées bien arrêtées et essayer de les imposer aux autres, eh bien, c'est considéré comme avoir de la personnalité. Alors, ça va à l'encontre quand même de la règle de la bienveillance qu'on avait vue avec Olivier Hoffel. Et donc, comment faire? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir, est-ce qu'il faut dominer les autres pour avoir de la personnalité? Alors, il y a quelque temps, en 1947, eh bien, l'éthologiste Rudolf Schenkel a étudié les loups gris et a commencé à parler d'animal alpha sur les aspects des compétitions et de dominance. Et peu de temps après, en 1970, eh bien, David Mech a écrit un livre à grand succès où il a reparlé du concept de loup alpha et du coup de mâle alpha et il l'a appliqué aussi à l'homme dans notre société actuelle pour montrer effectivement comment on avait cet aspect de mâle alpha. Mais, il y a un mais, c'est qu'en fait, il y avait une petite erreur, c'est-à-dire que Schenkel étudiait non pas un mâle alpha, mais un couple alpha, puisque en fait, dans la nature, les loups sont des familles, et c'est le père et la mère. Et d'ailleurs, en fait, les combats pour la domination n'existent pratiquement que dans les meutes artificielles, c'est-à-dire celles qui sont en captivité, puisque dans les meutes naturelles, eh bien, c'est une famille, et il n'y a pas de combat, la hiérarchie se fait naturellement avec le père et la mère. Alors le problème, c'est qu'en 1999, Mech a corrigé son erreur, mais c'était déjà trop tard. Le mythe du mâle alpha, eh bien, est déjà pris a pris son essor. Et on retrouve ça. Alors toute cette histoire, vous pouvez la retrouver aussi dans Curiosamente si vous parlez espagnol. Donc d'où vient le mythe du mâle alpha? C'est une excellente chaîne que je vous conseille d'ailleurs. Alors finalement, faut-il s'imposer? Alors, le psychologue Jordan Peterson, lui, il a étudié les homards et il a parlé du maudit homard avec sa règle numéro 1. Il donne 12 règles pour bien vivre. C'est tenez-vous droit parce qu'il ne faut surtout pas être comme un homard vaincu, hein, sinon vous serez avachi, vous allez adopter cette attitude-là. Et si vous prenez l'attitude du vaincu, eh bien, vous allez avoir peu de statut social, vous allez avoir moins de sérotonine, donc une hormone qui apporte le bonheur. Au contraire, vous allez avoir du stress, vous allez avoir moins d'éléments, vous aurez plus de difficultés à accéder par exemple à l'habitat, vous aurez même des problèmes cardio. Enfin bref, en gros, il explique tout bien considéré, rien de bien positif, et donc il conseille d'être un homard dominant pour arriver à vivre dans cette société-là. Mais il y a toujours un mais, et eh bien c'est que le problème, c'est que si on met les autres en danger parce que nous on s'impose aux autres, et eh bien d'une certaine manière les autres sont en danger d'exclusion sociale ou même de simplement de pas être conforme à leurs propres idées, de ne pas être dominé par exemple. Et donc à ce moment-là, eh bien ça crée une tension. Et cette tension, et eh bien elle va se générer en attaque, en fuite ou immobilisation. Donc en fait, lorsqu'on veut essayer de s'imposer comme ça, on va générer soit de l'attaque, soit de la fuite et de l'immobilisation. Alors on peut avoir pensé qu'on a gagné, mais finalement non, puisque en fait on a juste créé des tensions pour les autres et d'ailleurs pour nous-mêmes. Et d'ailleurs ces tensions, elles éteignent énormément notre cerveau, ça nous empêche de réfléchir. Donc n'essayez pas de trouver une solution rationnelle dans ce cas-là, c'est fichu. On en avait parlé d'ailleurs dans Évacuer les tensions pendant les rencontres et on avait vu effectivement plusieurs solutions. Alors comment avoir de la personnalité finalement? Eh bien, soit on peut s'imposer contre les autres, alors c'est une forme de personnalité, mais on a vu qu'elle avait un certain nombre d'inconvénients, outre l'aspect un peu éthique, et eh bien c'est aussi quelque chose qui fonctionne moins bien en groupe. Soit, eh bien, on peut agir pour les autres, et je suis pas sûr que de s'installer à Calcutta et puis de pouvoir aider les autres, de faire des choses absolument incroyables, ça soit un manque de personnalité, par exemple, si je prends l'exemple de Mère Teresa. Alors j'aime beaucoup cette citation, certains pensent qu'il suffit d'avoir mauvais caractère pour avoir du caractère, comme s'il suffisait d'avoir mauvaise haleine pour avoir du souffle. C'est du journaliste et écrivain Grégoire Lacroix. Et effectivement, c'est assez intéressant de voir finalement, eh bien, on pourrait avoir d'autres aspects, par exemple d'autres aspects de personnalité. Alors ça, c'est bien en général, hein, donc pour éviter les choses, mais de temps en temps, eh bien, on trompe quand même sur quelqu'un qui va essayer de s'imposer face à nous. Et à ce moment-là, eh bien, comment faire lorsqu'on est défié par un dominant ou même par quelqu'un qui ne le fait pas exprès, qui n'est pas volontairement là-dedans, mais qui nous apporte des tensions. Alors c'est compliqué parce que ce n'est pas facile de garder son calme et donc son cerveau, donc notre rationalité, face à des tensions, comme on l'a vu. Mais je vais vous donner quand même deux petits conseils. Et parce qu'il faut que l'émotion se passe avant la rationalité. Donc ces conseils, ce ne sont pas des conseils de sagesse au sens réfléchir, attendez, réfléchissez bien, etc. Non, ça vient dans un deuxième temps. Donc il faut que l'on crée un réflexe qui va nous permettre de retrouver notre cerveau justement dans ces cas-là. Et la première chose qu'on peut faire, eh bien, c'est respirer et sourire. Pourquoi? Parce que ça évacue énormément les tensions. Alors on pourrait dire que l'on sourit parce qu'on est heureux, mais c'est très intéressant parce que les études ont montré que justement, eh bien, on pouvait aussi devenir heureux et détendu juste en souriant et pareil en respirant. Donc prenez le réflexe de respirer et de sourire.
Mais il y a aussi une autre chose à faire, c'est qu'on avait vu que ces tensions-là, eh bien, on les associait aux personnes parce qu'elles attaquaient ces personnes-là. Mais une tension, eh bien, c'est quelque chose d'indépendant des personnes, qui peut même se dupliquer un peu comme les Gremlins. Et on avait parlé effectivement de Plonk. Plonk, la tension qui, effectivement, nous attaque. Et donc, il faut penser à Plonk. Alors, j'avoue que lorsque j'avais fait la vidéo justement sur les tensions en présentant Plonk, je crois que c'est la vidéo où j'ai le plus rigolé de toutes les vidéos. Et eh bien, effectivement, ça a évacué les tensions. Et d'ailleurs, en y pensant de temps en temps, je l'ai pas loin de chez moi. Eh bien, beaucoup de choses, même quand je suis un peu tendu, je me dis, ah, ça y est, Planck m'a attaqué. Et à ce moment-là, eh bien, ça dédramatise pas mal de choses et ça m'aide effectivement énormément. Alors, à vous de jouer, à vous de jouer. Et vous allez donc, pour ça, eh bien, vous entraîner à respirer et sourire comme un réflexe, puisque en fait, ça doit arriver avant même la réflexion. Donc, prenez le temps simplement de chaque fois que vous y pensez, bah, tiens, respirer et sourire, c'est pas forcément très difficile. Et puis, ça va vous préparer aux attaques de Plonk, aux attaques de Plonk qui arrivent à peu près partout. Et donc, essayez de le jeter. Allez hop. Et alors, comme d'habitude, aussi, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, commentez, ça aide vraiment ces vidéos. Hein, donc, quand vous likez, que ce soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou sur YouTube. Mais aussi, eh bien, commentez, n'hésitez pas à commenter, à mettre vos idées, à mettre vos suggestions, à mettre comment vous mettez ça en œuvre. Et puis, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.